Les enfants? Vous savez pourquoi on est là? En fait, elle était là, comme ça, tu fais ça, elle dansait sur mes genoux, et d'un coup, il y a Stéphane qui se ramène, tu sais, Stéphane, le gars qui travaillait au 5e. Et donc, il arrive, et je lui fais, dis donc Stéphane, toujours pas de vrai métier, toi? Il travaille au 5e, le gars. Parce que toi, t'as un vrai métier. Nous, ici, on a tous des vrais métiers. Marion? Oui, je pense qu'avec un salaire de 5 chiffres, ça atteste d'un vrai métier, oui. Putain, mais n'importe quoi. Depuis quand un salaire de 5 chiffres, c'est la tête d'un remède? Eh, Marion, tu veux bien laisser Romain et son salaire tranquille, histoire qu'on avance un petit peu, là? Parce que ça commence à... T'es vraiment un gros bidon, Romain. J'espère que tu le sais. Ouais, il doit au moins s'en douter. Allez, on s'y met? Allez. Alors, moi, je pensais à Auto Reverse. Ah, merde, Hervé, c'est con. C'est con, pour une fois que t'as un début de semblant de bonne idée. Il se trouve que c'est un truc qui a déjà été trouvé il y a 500 ans. Les autres, des idées, bah tiens, vas-y Marion, par exemple. Auto-stop. N'importe quoi. Autorino. Ouais, Romain. Eh, mesdames, messieurs, je vous présente l'artiste. Autorino. Autorino. Il est maintenant temps de passer aux nouveautés de la semaine. Alors, cette semaine, en rotation dans votre corps, rhinite, otite et angine. Voilà. Je comprends pas, pourtant je fais gaffe. Ah, mais ça, c'est le Toulouse Game Show. Ça crie dans le live house et après, ça se nique la gorge. Voilà. Ah. Tiens, essuie-toi, c'est dégueulasse là.